On prend maintenant la direction de Jonzac en Charente-Maritime. Les passionnés de sous-marins radiocommandés s'étaient donné rendez-vous ce week-end sur le complexe aquatique des Antilles. Des concepteurs, des pilotes venus d'Espagne, de Belgique et de Suisse. Valérie Préteau, Bruno Pilet. Non, ça n'est pas à la poursuite d'Octobre Rouge, c'est tout simplement une copie de sous-marin militaire. Et voici le Junon, un 800 tonnes des années 60. C'est Guy Boniface de Biarritz qui le construit entièrement en métal. Le modélisme, il a ça dans la peau. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai fait du modèle réduit, en commençant par l'avion, le planeur, l'hélicoptère. Je suis passé partout dans l'avion. Puis un beau jour, j'ai fait de la vapeur, du bateau à vapeur. Et puis le sous-marin m'a intéressé. Mais je voulais faire que des sous-marins type français. Pour la construction, Guy a fait appel à Jean-Pierre Boune, un ancien de la marine. Il a passé 16 ans dans les sous-marins, dont 4 à bord du Junon. Alors des détails, il en fait son affaire. Moi, j'amène le plus, qui est l'œil du sous-marinier, du professionnel. Et c'est pour ça que ce bateau que vous avez devant vous est réalisé avec un détail extrêmement rare, puisque moi, je m'attache à faire venir mes souvenirs et tout, ce qui fait qu'on est quasiment à 90% ou 95% de la réalité. C'est Richard Comte qui orchestre cette grande épopée marine. Il est professeur de maintenance automobile au lycée de Pont et c'est avec ses élèves qu'il a réalisé certaines pièces de son submersible, un sous-marin militaire allemand, première immersion. Je vais le faire plonger. Donc je remplis le ballast. Il prend du poids et il plonge. On ne peut pas dire qu'il coule parce que s'il coule, ça voudrait dire qu'il ne remonterait pas. Donc là, il a plongé. Et maintenant, je le fais remonter au niveau de la surface. Voilà. Tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien, donc c'est sa première mise à l'eau. Je suis très content, il se comporte très bien. Alexandre Gillon, lui, vient de Belgique. Il a réalisé un sous-marin suédois de 1965. Et cela fait 7 ans qu'il réalise cette maquette. Un véritable travail d'enquête, car les histoires de sous-marins sont très souvent classées secret défense. En France, il va y avoir beaucoup de difficultés à avoir des informations. Il y a d'autres marines où vous pouvez même visiter très facilement les sous-marins. Donc, je dirais que ça dépend des pays. Une quarantaine de pilotes se sont retrouvés cette année encore à Jonzac, tous concepteurs et fabricants de leurs sous-marins pour une immersion totale au pays de l'imaginaire. Et on retrouve maintenant Franck Leroy pour la dernière partie de ce Midi Pile.